ça fait 10 ans que je travaille sur Arthur. J'ai un petit peu de nostalgie aujourd'hui. Il y a 10 ans, j'avais 3 enfants de moins. Donc je suis très content de les voir dans la salle aujourd'hui. Je vais prendre juste 5 minutes pour vous présenter quelques personnes. Monsieur Gérard Darbon. Bonjour. Bonne méchante. Mademoiselle Belle. Je rappelle un vieil ami à moi avec qui je travaille depuis 17 ans. J'avais 17 ans. Je rappelle Eric Serra qui a fait toutes les musiques de mon fils. C'est vrai que ça fait 17 ans, on avait 17 ans. Je vais vous présenter Freddy Almore, Arthur. Ouais, c'était peut-être le plus difficile à tourner, mais aussi je crois que c'est le meilleur. Mais c'est à vous de décider. Lui, vous le connaissez, c'est le diabolique Maltazar. Il mesure désormais plus de 2 mètres. Et du haut de mes 2 mm, je dois absolument l'empêcher de tout détruire. Allez, une grande aventure nous attend. C'est moi. Cool. C'est grandiose. C'était bien. Une petite référence, un petit clin d'œil sont sympathiques, je trouve, à la fin. C'est vraiment super. Il est merveilleux. Super bien fait. Ça a la patate, ça va vite, c'est drôle. C'est génial. Fantastique, en plus c'est français, donc c'est génial. J'ai aimé les effets spéciaux. J'adorais la voix de Darkos parce qu'il avait un cheveu sur la langue, donc c'était marrant. Darkos, le fils de Maltazar. Si vous avez vu les deux premiers, c'est la suite. Et en fait, parce que vous avez le 1, le 2 et le 3, et je l'ai vu en fait. Moi aussi, j'aimais bien la mère d'Arthur parce que en fait, son mari il croyait qu'elle était folle, mais en fait, elle racontait c'était vrai. Et j'aimais bien quand elle se mettait le vernis comme la fourmi. Ça fait peur un peu quand il y avait du feu. Pour les petits, il y a quelques scènes spectaculaires, mais c'est très bien pour les parents. Comme ça, ils se blottissent dans les bras des parents. Et là, c'est le 3 qui est juste sorti. Ah, parce que je trouve que ça fait tout âge. Ça a vraiment pas de limite d'âge. Et que c'est sympa. On peut aller voir en famille. Il y a de l'amour, de l'aventure. Des effets spéciaux qui sont magnifiques. Mais j'aime beaucoup le moment où il y a les graphismes avec les Minimoys. C'est vrai que c'est un pays merveilleux et très enchantant.